Tout le monde, bienvenue à Arc le podcast, le seul podcast au monde. Là, on commence l'épisode, bon, on commence l'épisode tranquille parce que les deux autres personnes sont en train de texter à côté exact. De moi, là, tu sais, c'est vrai que... Mais il faut quand même commencer parce que, you know, comme on dit, time is money. Yeah. OK, là, on me voit texter, puis là, lui, il le fait plus. T'as échappé un carton, là, comme si t'étais... Oh, il échappe tout, ce gars-là. C'est quoi, dans l'affaire, qui a échappé? Hein? Il a échappé avant de partir d'Europe, parce que ce qui a échappé? Son talent. Exactement. You got it. Ce qui est le fun, c'est quand les deux, on l'a vu, on a fait... C'est sûr qu'on est dessus. C'est ça. C'est sûr qu'on est dessus. Mais si on est deux personnes à le savoir... Sur deux. Sur deux. C'est quand même une grosse... 66% de la pièce sont au courant. Et même plus, parce qu'on a... Léo, qu'est-ce qui a échappé en Europe avant de partir? Son talent. Son talent. JP, qu'est-ce qu'il aurait dit à échapper? Son talent. Et 80% des gens... C'est un vote quand même. Hey, genre, majoritaire, c'est majoritaire au Parlement. Là. On passe tout ce qu'on veut. Sans vrai... On pourrait le faire déporter sans même avoir un peu de comme tu sais, de challenge de l'autre bord, tu sais. Alors, merci tout le monde. Merci, Michel, d'être là. Ben oui, mais ça sera pas long. Je texte pas super vite. Hein. Mais non, mais c'est parce que t'as des bons doigts. Mais non, c'est pas ça. C'est que on dirait que je suis tellement pas bon en français que je veux pas faire de faute. Je suis comme, ah, oh, tabarnouche, c'est-tu de même? Ça, ouais, mais t'écris à des anglophones en ce moment. Fait qu'au pire... C'est vrai, c'est vrai. En Google Translate, puis il va sortir avec encore plus de fautes. Ah, ouais, c'est vrai. Faut pas se stresser dans la vie. Hey, merci tout le monde. Je vais commencer par justement remercier notre commanditaire principal aujourd'hui, Air Canada. C'est pour ça que l'épisode a commencé en retard. C'est un gag. C'est humoriste, tabarnak. C'est humoriste. Hey, des fois, oui, puis des fois, c'est juste triste. Mais là, en ce moment, c'est juste parfait. Comique. Hey, merci beaucoup, Michel. Je suis bien content d'être venu te voir. Merci. Ben oui. Moi, je suis content que tu sois là parce que si tu n'étais pas là, je serais clairement pas ici. C'est vrai. Hey, mon Dieu. Hey, tu connais-tu Radhi? Vaguement. Vaguement. Monsieur Radhi, c'est... Hey, tu sais-tu pourquoi il habite? Sais-tu pourquoi il est déménagé au Québec? Pour me faire chier? Non, c'est pas... C'était quand même une des réponses. C'est une des réponses. En fait, c'est la conséquence de quand il est arrivé. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mais il fait chier beaucoup de monde, quand même. C'est une personne... As-tu remarqué, les seules personnes qui aiment Radhi, c'est les gens qui le connaissent pas? En général? Ouais. Ou les gens plus jeunes que lui... qui connaissent rien à la vie puis qui peut y parler de son expérience. Oh, tabarnouche! Hey, ce Radhi... Il est lourd un peu. Lourd, oui, lourd. Lourd, c'est le mot. Il a commencé à faire du jogging, il court avec Charles Deschamps. Hey, c'est pas vrai. C'est du monde lourd qui court ensemble. Il court avec Charles Deschamps? C'est un ridicule! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un spot au bordel? Hein? Hey, on va courir avec un des propriétaires. Moi, je fais de la natation avec Martin Petit. Pis, Ah, moi, j'ai commencé à faire des pets à bédaine à Laurent Paquin. Mais ben oui, mais oui. Bon, c'est la technique Radhi. C'est la technique Radhi. Ah, c'est reconnu comme ça. Oui, on tête notre voix jusqu'en haut. Esti de légumes, Radhi. Ouais. Mais sérieux, il n'y a pas une date de départ. Malheureusement... Tu sais, comme un Radhi, d'habitude, il y a une date de péremption. Puis sur ce Radhi, c'est le seul Radhi qui n'a pas de date de péremption. Tu sais ce qui est triste? Que ce soit Radhi son nom, puis non laitue. Ouais. La laitue passe date plus rapidement. J'aimerais ça. Le Radhi, tu le gardes un peu dans l'eau, puis il reste vivant longtemps. Faudrait peut-être le matcher avec une laitue. Ah, je pense que c'est déjà fait. Ouais. Ouais. Il y a eu des enfants, puis tout. Sais-tu pourquoi il est ici? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, mais pas... tout le monde pense qu'il s'est sauvé sa famille. Non. Radhi a fait probablement deux faillites personnelles avant de partir d'Europe. Et le fisc est... La mafia polonaise... Cours après. Trousse! Tabarnouche, c'est quand même... En ce moment, t'as-tu vu des photos de lui quand il était en Europe? Non. Pas de barbe, il a des cheveux, il s'est changé complètement pour passer inaperçu. Je pense qu'il veut changer avec l'Interpol à ses photos. Man, clairement. C'est clair. Clair. Ses empreintes digitales sont à CIA. Hey, je me régale, je me régale. Oh, man. Pas autant que nous autres. Hey, tu te régales. Mais quand même. Ça y est? Attends, non, on n'a pas fini. On va commencer avec ton premier arc.
Radis. Radis. C'est vraiment dans la liste. Hey, les humains. Ben... Pourquoi Radis est encore au Québec? Oui, ça, pourquoi Radis est encore... C'est vraiment des questions. Tu as des gens, des fois, tu te dis, ah, c'est cool. Tu sais, t'es encore ici. Oui. Ah, genre, il y a plein de monde qu'on pourrait nommer, là. C'est plein. Genre, le gars, là, qui a fait Québec, là, qui a fraudé le Québec, là, puis après ça, il est reparti, là. C'était comme un designer français, oui, là. Oui, 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 comment oui. Comment il s'appelait? Donc, moi, je l'aurais gardé, lui, à place moi de aussi, Radis. Moi aussi, j'aurais gardé à place, oui. Il était malin, lui. Oui, il y a plein du monde, j'aurais gardé à place de Radis. Tellement, là. Hey, mon Dieu, mais Radis, là. Wow. C'est jusqu'à quel âge qu'on peut faire avorter? Ah, je pense qu'on... Hey, je sais pas, parce que... Parce que Radis... Il est-tu trop tard? Il est jamais trop tard. Moi, on m'a toujours dit, Pascal, il est jamais trop tard. OK. Puis je pense pas qu'il est trop tard en ce moment. Puis le podcast d'aujourd'hui, je suis obligé de le regarder une fois parce que si t'as remarqué depuis le début, je fais comme s'il était pas là. C'est un beau petit podcast à deux parce que, on s'apprécie. Oui. Mais je suis obligé de le regarder parce que j'ai pas vu de sac. Tu m'as dit c'était Air Canada. Il n'y a pas de petit sac pour vomir dans ma pochette. J'aurais dû fournir ça. Mais c'est oui. Mon erreur. Là, je vais être obligé de... Ça se peut que je le regarde, là. Don't do that. École. Mais t'es obligé de rien, hein? Toi, t'es obligé de rien. T'es obligé de rien. Moi, je suis comme l'invité ici, là. Tu le regardes pas, Ah, t'es chef. Je suis chef. Si tu veux qu'il quitte, tu dis il quitte. C'est vrai? Mais t'es l'invité. Il pourrait-tu quitter? Il pourrait quitter. Combien de temps, mettons, j'ai accès? Parce que comment je pourrais le faire quitter de temps? Le temps que tu veux, ah ouais? Jusqu'à infini. Puis quittes-tu juste la pièce ou le pays? Le pays, on n'a pas encore ce pouvoir-là. Encore. Mais on peut... Je pensais qu'Arc le podcast avait beaucoup de pouvoir. On a beaucoup de pouvoir, mais vraiment plus centralisé là, sur ce qu'on publie en ligne. Okay. C'est un peu plus triste. Là, mais y aurait-tu moyen que l'épisode d'aujourd'hui, chaque fois que la caméra est sur Radis, il y a comme une barre devant ses yeux, comme les agresseurs? On pourrait mettre l'emoji de bonhomme qui vomit. Colin, sur sa tête, comme ça. Penses-tu que JP est capable de faire ça? JP est capable de tout. C'est vrai? Ben, pas de tout, là. Mais certains trucs. Des fois, il arrive pas à l'heure. Il arrive pas à l'heure? Des fois. C'est JP. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce qu'on fait, c'est on va arrêter de donner de l'attention à Radis parce que c'est toute l'attention qu'on lui donne. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir, puis c'est proportionnellement inverse à l'attention qu'il donne à ses enfants. Parce que... C'est beaucoup trop. Oui. Puis lui, le gros naïf, il doit se dire c'est parce qu'il m'aime. Parce que qui aime bien, chante bien. Mais on ne chante pas, c'est exactement ce que je me dis depuis tout à l'heure. T'as-tu entendu quelque chose? Oui, bien, il y a quelqu'un qui a pété. Ah, OK. Là, ça sent c'est merde. C'est ça l'odeur. Ouais, de merde. Ouais. Ah, oh, man, je suis content de te voir, Michel. Mais moi aussi, je suis content. Ça faisait longtemps. Moi, je suis super content de vous voir. J'ai fait l'autre. Hé, les amis. Mais il y avait. Hey. Dans l'autre version de Arc chez vous, j'avais été déjà. Oui, c'est vrai, chez nous, dans mon ancien appartement. Ouais, c'était le fun. Hein? Il n'y avait pas Radis à cette place-là. J'étais pas... Non, c'était des amis. Moi, je pense qu'il n'était même pas encore arrivé au Québec. Non, j'étais pas je pense que c'était un moment heureux. Ouais. Ah, te rappelles-tu, avant que Radis arrive au Québec, il n'y avait pas eu d'inondation. Pas de pandémie. Pas de tornade, pas de pandémie. Pas de feu. Pas de feu, rien. Ouais. Ouais. Mais je suis super content d'être là. C'était peut-être lui qui a parti ça. Bon, c'est sûr que les routes mènent toutes à Radis, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, qu'il dit ça. Hein, les routes négatives, pas positives. Oui, positif, le bonheur, c'est Rome. Hop, toutes les routes mènent à Rome. C'est positif. Toute la merde mène à Radis. C'est un, je pense dans le dictionnaire. C'est toute la merde. Toute la merde mène à Radis. C'est une nouvelle expression que tout le monde devrait utiliser plus souvent. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. Non. Mais moi, ça ma tante a eu un cancer, puis le docteur il a dit, « Hip, allez, vous êtes dans un radis, là. Vous êtes dans la merde. Oui, c'est ça. OK. Mais je suis super content d'être là avec vous. Hey, man, c'est ça, là. Y a-t-il d'autres sujets à part radis? Parce que c'est parce que comment ça dure de temps, cette affaire-là? Ça peut durer le temps qu'on est capable d'être dans la même pièce avec lui. Fait que ça se pourrait que ce soit cool. Très cool. Je veux que ce soit déjà fini. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été là à Arc, le podcast, le seul podcast. On met-tu le générique là? On peut-tu mettre le. Ben, c'était le fun de venir. C'est le fun. C'était le fun. Michel. Je veux juste faire un petit aparté. Oui. Juste votant. Juste, t'as pas compris depuis le début de juste votant. Ben... Juste votant.
Ça l'améliorerait la qualité. Léo, tente-tu de juste... Tente-tu de faire co-animer Arc? Tu veux venir co-animer? Merci, merci Radivotan. Wouh! Ouais, good job! Bonjour! Oh, hey, mon Dieu, quelle belle journée. Radhi, on te voit encore. Ah, Sophie, il est drette devant moi. Il est drette devant toi. La porte? Léo qui rentre la porte. Non, non. Non. Allez? Allez? Léo, t'as dit quelque chose? Léo, t'as dit quelque chose? Y est-tu encore ici? Ah, je sais pas. Je sais pas. Hey. Je vais entendre la porte claquer. Ah, moi aussi! Attends, on écoute la porte. JP, es-tu encore là? Ben, c'est sûr qu'il est encore là. Eh oui. Hey, tu sais. C'est un hostie de fake. Il a pas quitté le Québec depuis. La seule fois qu'il sort vraiment par une porte, c'est quand ses enfants sont dans la pièce. Oh my God! Je pense qu'on peut le ramener. God! On peut le ramener. On va le ramener. Quand même! On a du fun à date. À date, on a du fun. Bon, je vois. Oh, il amène son sandwich parce qu'en plus, il est pas poli envers les gens qui sont. Il va manger dans la face de ses fans. Hein? Ben, ses fans. Ses fans. Excuse-moi. Ça fait tellement drôle à dire. Je fais des bonnes blagues. Oh mon Dieu. Moi, je m'en fous, je vous aime. Oh mon Dieu. Hey, tiens, enfin. Je sais qu'à la base, je suis venu au Québec parce qu'on m'a dit que vous étiez gentil. T'as-tu vu? Les humains. À ton deuxième arc, j'aimais beaucoup l'importance qu'on donne à certains humains. Et ça, au moins, c'est pas quelque chose que. Non. On a un problème avec Radhi, tu sais. Fait qu'on ne donne pas tant d'importance, tu sais. Non, j'aime pas. Non, c'est vrai que Radhi, il donne pas d'importance. Moi, je vais t'avouer quelque chose. Vas-y donc. Les humains, en général. C'est pas facile. C'est pas facile, tu sais. J'aime certaines personnes. Les humains, je les aime pas. Collectivement. C'est-tu quand ils sont ensemble ou t'aimes-tu mieux les humains séparés ou t'aimes. Séparés. Ils sont le fun tout seul, hein? Tout seul, ils sont le fun. Comme là, si j'étais tout seul avec Radhi, ça serait plus le fun déjà. Parce que t'aurais. Avec... Pas le choix. Je serais pas le choix. Ben oui. Pas le choix. Je sais. Oui. Moi, je suis un gars bien quand on n'a pas le choix. Exact. Oui, c'est vrai. Je le sais. Mais de toute façon, tout ce que vous avez dit depuis le départ, pourquoi je ne suis pas intervenu? Parce que c'est vrai, c'est réel ce que je vous sais. Je jure. Même moi, là, je me déteste à un point. Genre, qu'est-ce que je fais là, t'sais? Mais aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est un documentaire. Non, c'est un vrai documentaire. C'est un documentaire. Je pense que c'est une trace qui va rester à jamais. Je pense qu'il y a deux affaires. Il y a comme. Moi, je suis vraiment pour l'immigration. Ouais. Je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Je trouve que ça enrichit une culture. Oui. Mais je trouve des fois qu'il y a des gens qui rentrent dans les failles puis qu'on n'a pas besoin. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et... Je suis là vraiment pour illustrer ton propos. Il y a des gros trous dans les failles. Non, vraiment, je suis. Moi, si je peux être un exemple dans la vie. Un exemple, par exemple, de dysfonctionnement du système d'immigration au Québec, je suis là pour ça. J'aime ça. Genre. Et j'aime faire avancer les choses. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à dire la vérité. Oui. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Ben oui. Et s'il faut continuer à rester pour vous faire chier, je resterai avec plaisir. C'est quoi la seule chose que Radhi est pas capable de faire avancer? Sa carrière. Sa carrière. Exactement. Exactement. Mais ça aussi. Grave. Mais ça aussi, man. Tu sais pourquoi j'existe? Pour te faire sentir important. Je me veux pas... Mais... Je suis pas important. Mais si. Non, mais ma force, moi, c'est de savoir que je suis pas important puis de le faire avec grande, mais non, mais grande arrête, allégresse. Arrête, Pascal. Je pense que c'est ça. C'est le seul truc que j'ai comme qualité en ce moment, c'est que je le sais que je suis pas important. Non. Puis le reste, je travaille là-dessus. Mais il y a personne qui est assez important. Ta carrière va bien. Elle va correct. Elle va correct, mais comparée à la mienne, elle va super bien. Faut pas... Je suis là pour ça, man. Oh, OK. Dis-toi que si sur ton rapport d'impôt à fin de l'année, t'es capable d'écrire... Il n'y a pas le droit de faire ses impôts. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TPS. Ah, tabarnak. Genre, quand tu dis un boulet pour l'État, là. Caroline, OK. Quand tu fais là, tes taxes. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi il est revenu? Je m'ennuie de Léo. Je lui ai tenu la main, tel... il l'a dégagé. Il a fait me touche pas. Me touche pas, il m'a dit. Touche-moi pas.
Hey, je suis tanné d'être ici. Mais moi, un peu. Moi, en plus, je suis parti de loin pour venir ici. T'es Saint-Jean, hein? Ouais, un an de route pour venir voir. Calice, c'est chiant, ça. Hey, c'est une mauvaise journée pour toi. Très mauvaise journée. J'espère qu'elle va s'en changer le restant. Hey, non, c'est sûr que ça va aller mieux. Ça peut pas. Mais oui, ça peut pas aller pire si. Je pourrais débouler les marches, ça serait plus le fun. Ah, ben, pour vrai. Hey, Léo, peux-tu aller débouler les marches, s'il te plaît? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer votre journée? À part disparaître, mourir et ne plus exister. Va donc prendre un bain avec une des caméras. Branché. Tu vas voir, c'est le fun de la 4K. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes des enfoirés. Il se filme, il met ça dans l'eau, le choc électrique part pas tout seul. Tu vois juste son petit croton flotter sur le dessus. Puis à un moment donné, ça fait juste blancher. C'est clair qu'il sort du prépuce. Ben oui. Clau! Dans ses yeux. Ben oui! Il meurt pas. Êtes-vous en train d'écrire ma mort? Non, ce qu'on souhaiterait. C'est pas ta mort qu'on décrit. C'est nos souhaits. C'est un rêve. C'est ça sur ma liste au Père Noël, là, cette année. Radis avec une 4K dans un bain moussant. Exact. Dégueulasse. Exact. Oh, shit, man. Mais pour ramener le podcast, c'est tout. Mais toi, t'es un bon humain. Parce que moi, j'aime les humains honnêtes. Mm-hmm. Même... That's honnête. Puis même quand ils disent... Moi, ce que j'aime de toi, c'est que des fois, t'as même des fois un peu tard, mais tu tiens ton bout pareil. Oui. Malgré tout. Exact. Ça, c'est des humains que j'aime. On avait une discussion au bordel. Je sais pas si je peux en parler, mais comme quoi, ça serait cool de pouvoir choisir qui on garde et qui on garde pas comme humain. Oui. Je trouve que ça revient à ton sujet. Ça revient à mon sujet. Que vous avez vraiment ce genre de discussion? Oui. Oui, chaque humain devrait avoir 3 prises. Quand t'as 3 prises, on te tue. Mais non. Quelqu'un arrive chez vous. Tau! Mais non! Tau! C'est fini! Mais non, ça peut pas marcher comme ça. Comment ça? Mais non, ça peut pas marcher comme ça. OK. On serait tous morts déjà 10 fois. Non. Mais si. 3 conneries. Trois conneries, j'ai pas 3. OK, premièrement, ouais. J'ai fait aucun commentaire sur Facebook, OK, depuis 2009. Ça, c'est une bonne force. Déjà là, tu peux pas me striker 3 fois. Non. Je commande pas. Oui, OK. Parce que les gens sur les médias sociaux, c'est souvent des strikes rapidement. Et Colin, que oui. Twitter, surtout. Mm. Ah, ouais, mais Twitter, là, il paye. Il faut que tu payes pour, là. Ouais. La scrap va diminuer, là, tu sais. Mais la théorie, elle est sur le fait que. J'avais l'impression que les réseaux sociaux avaient été inventés pour... Tout le monde y est allé au début. Mm-hmm. Là, les gens normaux ou sensés sortent en disant « Il y a bien trop d'épais dans la pièce ici. » Puis à la fin, là, en 2025, en octobre 2025, ils vont tuer ceux qui restent. Ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés sur Facebook, on tue. Et j'aime ça. Si ton compte est encore ouvert ou si tu es actif, des fois, les gens oublient de fermer leur compte. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu sois actif ou encore... Avoir un compte. Si tu fais un commentaire après 2025... Attends, un commentaire stupide. Boom! Puis comment... Moi la faiblesse dans ce que tu as dit... Il y a une faiblesse dans mon affaire. C'est comment on décide qu'est-ce qui est épais puis qui est le bourreau de tout ça, tu sais. OK, on va faire rentrer la science. Là-dedans. Un conseil de sage, non? La science. Okay. Le conseil de sage... Non, mais regarde, c'est que si les gens portent un jugement, mettons, en général, sur une situation, mm-hmm. c'est les gens qui connaissent la situation de A à Z qui ont le droit de juger si c'est un commentaire stupide ou OK, on va dire qu'on a fait un commentaire sur les personnes trans, on va donner un exemple. Exact. Puis les personnes trans font « c'est inapproprié ». Mais si 5 personnes trans font comme « non, ça, c'était très bon », puis 3 autres personnes trans sont très offusquées. Oui. Est-ce que la majorité gagne ou les gens offusqués gagnent? Ah, c'est la majorité. OK. Ah, okay. Mais si c'est 5-5, comment on décide qui est le bourreau pour trancher? C'est une dictature démocratique quand même. Mais non, on va essayer de trouver un nom impair de trans. Là. Ah, fait que là, on va obliger quelqu'un à devenir trans. Oui. Pour qu'on puisse décider si tu meurs ou tu vis. Parce que c'est un flag et tu changes. C'est comme ça que ça marche. Personne trans. Moi, j'en règle des problèmes. Puis là, en ce moment... Là, si on va dire que tu avais à faire le ménage sur les médias sociaux demain, là. Mm-hmm. Je sais que tu éliminerais Radier assez rapidement. Il a commenté un de mes posts tantôt. Ça n'a pas rapport. Ouais, non. C'est un super bon post, puis on dirait qu'il a gâché mon gag en le commentant. Ouais, non, là, c'est un strike, ça. Je lui ai donné de la valeur ajoutée. Quand qu'il n'y avait qu'une phrase? Je lui ai donné une valeur ajoutée. Hey, j'ai une... Il y a eu plein de commentaires sur mon commentaire. Oui, genre... Dis-le. Genre, quitte le pays. Non. Laisse-nous tranquille. Non, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas personne qui ose dire. Ah, il y a des gens qui nous trouvent funny,
Mais on dit ce que la majorité silencieuse pense. C'est-tu ouais, c'est vrai, ça. Le, moi, le plus de fois que j'ai vu Radis, c'est-tu où je l'ai vu? Hein? C'est où je le vois le plus souvent? En train de pleurer. Seul, au bar du quartier latin, en attendant que quelqu'un se pointe pas pour un spot pour rentrer sur scène. C'est pitié. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. T'es le fluffer d'un film de cul. C'est... OK, ouais. T'es un fluffer d'un film de cul. T'attends. On m'a jamais autant manqué de respect en si peu de temps. Est-ce que c'est fou. OK, je trouve ça drôle parce que pour lui, se faire dire la vérité, c'est un manque de respect. C'est comme si je disais, hey, on respire de l'air. C'est pas un manque de respect envers l'air. T'as manqué respect à l'air? Lui, il voit un manque de respect. Eh, mon Dieu. Mais ce podcast-là, là, mettons. Là. Mettons. Ouais. Mais là, en plus, on n'a jamais été autant dans la thématique parce que tu parles de quelque chose qui te répugne depuis le début. Puis habituellement, j'ai à introduire des sujets de façon habile. Mais là, c'est émotionnel. Mais moi, tu sais, moi, si je peux aider, je suis là pour ça. Oui, dans les temps-là, tu nous rappelles le sujet. C'est le sujet arc. Oui. Et je suis là. Juste en participant à ce podcast-là, il n'y a jamais autant de gens. Il n'a jamais été aussi connu, tu sais. Ouais, ça, là, ça fait fchoup sa carrière. C'est son moment. Moi, le fait qu'on l'haïsse, là, les gens, c'est réseaux sociaux, c'est pas vrai. Il est pas si pire que ça, Radhi. Si pire. Ils me connaissent pas. Ouais, exact. Ils te connaissent pas. Mais je préfère leur dire la vérité. Ils vont peut-être aller le découvrir. Là. Ben, ils peuvent venir au pub quartier latin et ils me retrouvent là-bas, au bar. Si vous voulez voir Radhi, allô. Genre, entre 18h et 20h30. Parce tous les soirs de la semaine. Tous les soirs de la semaine. En buvant un drink, pas d'alcool. Exact. Qu'on me fait pas payer. Un monsieur. Ah, pour vrai? Bah, man, j'ai des entrées. Ils te font pas payer tes drinks? Je suis tellement là-bas. Check sa face. Check. Tu fais pas payer aux personnes de même. Ben oui. Esti. Hey, moi, je suis tanné. C'est injuste. Je travaille fort, moi. Ouais. Je fais des choses dans cette bande-là, moi, puis je fais en sorte que des gens reviennent, là, tu sais. Ouais, mais lui, il a une face de rêve d'enfant. Ah, ouais. C'est normal, là. Si on pense qu'il va mourir bientôt, puis on lui donne des drinks. Ah, c'est-tu quoi le rêve de ses enfants? Ouais. De le voir. Ah, ils reviennent. Ouais, je sais. Je sais. T'as des enfants? Fait que c'est ça, les humains. Ah, mais c'est ça. Fait qu'on tue du monde. On tue, les humains, l'impatience. Qu'est-ce qui. Toi, es-tu impatient? Je suis impatient qu'ils repartent, Radhi. C'est ça que tu veux dire? Non, non, je dis pas ça. Là, on va lâcher le sujet un peu. Merci. Parce que c'est quand même le pouvoir des minorités, ça. Non, mais ce que j'aime pas, c'est que les gens se craignent rapidement. Oui. Ah, ouais, ça, ouais. Moi, l'impatience, on dirait que l'impatience des gens a fait en sorte que, t'sais, présentement, surtout, on le dit tout le temps sur les réseaux sociaux, puis on n'oublie pas en passant, quand je vise les humains, techniquement, on est des humains. Là, oui, je suis là-dedans. Fait qu'on fait partie des gens qui, à un moment donné, quelque chose du choc. Moi, là, je suis choqué par beaucoup de choses, pour être bien franc. Mais je ne vais juste pas le commenter. Parce que c'est pas vrai que l'émotion que j'ai sur le moment d'être choqué après quelque chose... C'est comme Radhi, je me retiens d'aller écrire sur sa page « décaliste ». Tu comprends? Tu t'es tellement partenu, man. J'ai jamais écrit sur ta page. Pas sur ma page, mais en perso. Ou en perso, mais ça, on s'en fout, là. Il m'envoie un message tous les 4-5 mois et c'est grosso modo ça. Tu pourrais-tu repartir? Tu l'écoutes, lui? Oui. Ah! Comment? Hein? Comment c'est arrivé? Ben, c'est parce qu'il y avait un programme du gouvernement. Oui. Parrainer un imbécile. Oh! Puis il cherchait dans la communauté artistique. Tu veux-tu le matcher avec qui? Hein? Avec qui? L'intelligence, avec mon opposé. Avec qui? Boucardiouf. Boucardiouf. Mais Boucard, il le connaissait pas? Non, ben non, personne ne me connaît. Personne ne le connaît. Mais pourquoi t'es pris? Mais Boucard, il est sympathique. Il est sympathique. Puis c'est un professeur. Je me suis dit, peut-être qu'il va pouvoir apprendre certains trucs. Tu sais. C'est ça, les meilleurs castings. Il sait pas le conjuguer. C'est les meilleurs castings, c'est ça, le haut et le bas. C'est ça. J'aimerais ça avoir Boucard ici avec toi, genre, pour qu'on puisse comprendre comment ça s'est seté ça, puis que vous puissiez régler votre différent, parce que sûrement qu'il t'en veut. Là. Boucard m'en veut, ouais. Mais il me parle plus. C'est ça, je pense. Mais je te dis pas qu'il m'en veut, mais il me parle plus. Il m'a bloqué sur les réseaux. Il me parle plus. Moi, il m'a bloqué sur les réseaux. Ouais? Ouais. C'est sûr que oui. C'est sûr. Ouais. C'est sûr que oui. Oh my. Tu veux l'avoir achalé pour faire ton podcast de marde. Hey, tu viens-tu faire un podcast prank? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mises en situation pour montrer que c'est un balado. C'est une série web, Radhi, tabarnak. Ouais. C'est surprise, surprise d'un gars qui n'a pas de budget, tabarnak. C'est quoi ça? Moi, il m'a invité à. Tu as-tu fait ton podcast prank? Ben non, je ne m'en vais pas invité à son esti de marde. Inch'Allah. Moi, il m'a invité, puis j'étais la première personne qui a invité. C'est vrai? J'ai dit non, puis je pensais le décourager. Puis il a pas découragé. Ah, ouais. Il est allé jusqu'au bout de son projet. Ouais. Et quand la bande-annonce est sortie, il m'a dit « Hey,
ça tourne encore, j'aimerais bien le faire. C'est pas vrai, c'est ironique. Non, non, c'était pas ironique. Très ironique. Je te connais quand t'es ironique, Radis, c'était vraiment. Mais avec qui tu l'as? C'était vraiment. Je dis, je participe à aucun balado, j'en participe le moins possible, je dis non à tous les balados. Mais ça, c'était pas un balado, c'est une série web. Bon, en plus, tu le reconnais c'est une série web, arrête d'appeler ça un balado d'abord, c'est une série web. Hé, hey, attends une minute, ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce qui est bon? Lui, sa chambre d'écho. Genre, tu sais, quand il parle, il s'écoute parler, puis comme si ta vérité existait. Ça, moi... C'est une nouvelle expression qu'on a entendue, les chambres d'écho. Ça revient encore aux hosties d'humains. Là. Mais c'est une nouvelle expression qu'on a entendue parler que, tu sais, malheureusement, aujourd'hui, on se nourrit beaucoup des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux nous renvoient ce qu'on pense. Pourtant, moi, c'est la preuve que je fais plus de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est que ça ne me revient pas, j'haïr à dit. Tu comprends? Je suis pas dans ma chambre d'écho. Tu comprends? Dans ma chambre d'écho, ça me revient pas. Il n'y a rien qui est pas en lien avec Radis. Ça me revient pas. Parce que je vais pas sur les réseaux sociaux. Fatigué. Tu comprends? J'en ai marre. Hein? Je comprends, mais oui. Mais j'avoue que si tu commentais, j'haïr à dit. Là, ça me reviendrait. Je serais dans ma chambre d'écho. J'aurais des amis. Tout du monde qui trouve que... T'aurais juste des poses de la PEG polonaise. Exact. Des photos exact. De t'es comme, where tout that guy is? Where that guy is? Ouais, exact. Where that guy? Je comprends mais, tellement. Mais là, dans ma chambre d'écho, moi, j'entends pas ça. Il y en a même sur scène, des chambres d'écho. Ah, tu sais, des gens qui s'adressent à un public qui pense exactement comme eux. Exact. Sont dans une salle. Ils parlent d'un sujet comme, par exemple, moi, je fais un show qui s'appelle... Vous êtes le Seigneur des Anneaux. Je parle juste à des geeks de Seigneur des Anneaux. Puis après ça, je m'en vais dans une vraie salle, puis le monde rit pas de mes jokes. C'est normal? Ben oui, tu parles à des conquis. Parle à du monde. Et essaye de rejoindre des gens qui partagent pas ta valeur, mais de faire rire avec ça pour qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Là, t'as gagné quelque chose. Là, t'as gagné quelque chose. Mais me crosser devant ma photo, je suis pas plus cute, là, tu sais. T'as-tu une photo de toi? Hey, genre, quand je me crosse. Non, mais t'en as-tu un double? J'en ai un double. OK. J'en ai plein. T'en veux, j'en verrai ça. T'en as-tu une de radis? J'en ai pas de radis. Mais quand je veux. Moi, ce que je fais quand je veux pas venir trop vite, pense à radis. OK. Pense à radis. Ça marche. Je la mettrai moi, dans c'est le fond de ma bol. Dans le fond de ta bol. Oh! Ouais. Mais oui, mais t'aurais un gastro tous les jours. Ah, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Tu sais que je suis pas. Je manque de vitesse aujourd'hui, toi. Hey, moi, je trouve que t'es rapide. Je trouve que t'es rapide. Que t'es bon. De mon point de vue, t'es rapide quand même. Ouais. Vous êtes tous les deux rapides. Est-ce que tu considères que radis, non. C'est un vrai ou un faux problème? Parce qu'il y a des gens qui ont des faux problèmes dans la vie, puis ça, c'est gossant. Oui. T'as des gens qui vont, ah, j'attends mon avion pendant 2 heures de trop. Oui. Ça, c'est un faux problème pour moi. Là. Ça, là, ça me tue. Ça me fait tellement rire, les gens qui partagent leurs problèmes sur Internet quand il y en a que. Tu sais, en tout cas, mon vol pour aller dans le sud dans mon 5 étoiles, il y a quelqu'un qui dit, moi, là, je suis une mère monoparentale, j'ai 4 enfants. T'avoues pas, ces réseaux sociaux, non. En train de broyer sur. Christy, la réalité, mais on a vraiment des faux problèmes. Hey, ridicule. Moi, je pense qu'un faux problème, c'est « ça marche pas mes affaires, je vais aller me staller au bordel à toutes les soirs entre 6 et 10 en espérant d'avoir un spot. Personne ne veut me donner un spot, pourtant je suis super bon. » Ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est décalisse. C'est décalisse. Va-t'en. Va-t'en rejoindre tes enfants qui ont passé les 8 derniers Noëls tout seul. Hey. Va les rejoindre. Les 12 derniers Noëls. C'est ça, là. Excuse-moi. Non, passerais-tu un Noël sans ton enfant? Moi, personnellement, ben, il y a des monstres qui existent. J'en fais pas partie. C'est ça que je pensais. Oh mon Dieu, passer Noël sans ses parents. À quel point pour un enfant ça brise quelque chose de majeur? Parce que ça reste dans la féerie, ça reste dans l'inconscient, mais de déballer tes cadeaux puis c'est écrit de la mère Noël dessus et jamais du père Noël non. Parce qu'il est absent. Ouais, mais, exact. Sérieusement, j'en veux. On fait pas Noël, elles sont musulmanes. En plus. Ah, OK. Ah, ben c'est correct de laisser ses enfants bon. Seul. Félicitations, Radis. Ah! Ah, mais oui, on savait pas qu'elle était musulmane. Fait que là, t'es en train de dire que les musulmans. On fait pas Noël. Abandonnent leur famille. Abandonnent leur famille. Non, c'est tout pas le monde. C'est pas ça que je dis. T'as été élevé par des loups. Ouais, mais je dis juste que si on le fait, ça les blesse pas à Noël parce qu'on fait pas Noël. Eh mon OK, Dieu. Y a-tu une fête que ça les blesse? Ouais. Laquelle? C'est une fête où on égorge un mouton. Bah.
Au moins, ah non, papa n'est pas là pour égorger le mouton. En fait, ces enfants-là. Et c'est quelle date la fête de l'égorger? Ça change chaque année. Ça change chaque année. OK, ils changent la date à chaque année. Parce qu'on n'est pas le même calendrier. Parce que vous n'avez pas le même calendrier. On a le calendrier lunaire. C'est un calendrier. Et quelle date aujourd'hui? Non, il y a la même date qu'aujourd'hui. Non, le calendrier musulman, non, c'est notre... on est en 1400 et quelques, on est au Moyen-Âge. Hein? Ah. C'est vrai, ça? Je te jure. Christy, on apprend des affaires. Alors, on apprend des affaires. Peut-être qu'il est venu ici pour nous apprendre des affaires. Et puis, on ne l'écoute pas depuis le début. Mais tu dis que tu es en 1400 et que tu ne sais pas. En 1479, je crois. C'est même pas la bonne date. Si, si, je te le dis. C'est quoi ta date? Je vais vous la sortir. La date du calendrier musulman? Oui, je vais vous la donner tout de suite. OK, c'est ton permis de conduire. C'est écrit que tu es né en 1375. Mais non. Hein? Ah, c'est ça. C'est quoi, là? Il choisit ses dates qu'il veut, hein? Ben oui! Quand Satan abandonne ses enfants, c'est un grand guerrier du Moyen-Âge. OK, qu'on me respecte pas, il n'y a pas de problème. Mais, le calendrier musulman. On a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il fallait pas se foutre de notre gueule, OK? Pourquoi? Parce qu'on sait piloter des avions. Vous savez, au contraire, vous savez pas les piloter. On sait les faire décoller. Vous savez les faire décoller puis atterrir au mauvais endroit. C'est ça. En vrai, non. Pas eux autres l'avaient fait décoller. C'est qui? Ah, c'était un homme, c'était un pilote. Quel des bâtards. Vous êtes des bâtards. Non, vraiment, vous êtes des bâtards. Non, on a bien regardé comment ils ont fait. Vous avez regardé, mais... Ouais, on était hyper attentifs au cas où. C'est comme Radzi, trop paresseux pour le faire décoller. Ils prennent juste l'avion une fois qu'il est dans les airs. On est en 1444. Calendrier islamique, 1444. OK. Je sais, ça va bien moins vite, le calendrier lunaire. Il a commencé juste après... Pourquoi vous avez commencé après nous? Parce que notre prophète, il est arrivé, ouais, c'est le dernier. Rejoignez-nous. Ben, on essaye, mais vous allez trop vite. Nous rejoindre, les lunes, c'est lent. Les lunes, c'est lent, ouais. Les lunes, c'est 19, plus lent. C'est 19 jours de moins. Non, c'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc, on va finir par vous rejoindre, mais genre en 3160. Puis à un moment donné, tu vas nous dépasser, fait que c'est sûr, un homme du futur. C'est sûr qu'on va vous dépasser. Pour l'instant, on est un peu en arrière. Un peu! Juste 700 ans! Mais on arrive. Vous arrivez, ben, c'est 100 ans! Mais on arrive de tranquillement. Ton vivant, t'arriveras pas. Mais regarde, quand on arrive trop rapidement, regardez ce que je me prends dans la gueule. Ouais, laissez-nous arriver tranquillement. Pas arrivé trop rapidement. Si, je suis arrivé trop rapidement. C'est pas vous, c'est toi. Arrête de mettre tout le monde. Ah, c'est pas ça, il a déjà ses enfants. Il est parti faire les croisades. C'est ça qu'il fait, hein? Papa s'en va pour les croisades. Il s'est pris un couteau, puis il est parti. Je m'appelle Magellan, les enfants. Je prends un bateau, on va faire le tour du monde, chercher des épices. Je vais aller découvrir. Il est juste, lui, il est pas parti chercher un paquet de clopes. Mais on va chercher de l'origano à l'épicerie, il est plus jamais revenu. Exact. Ça glisse tellement. Non, et... ça glisse pas. Je trouve, moi, ça va super bien, ce podcast-là. Moi, je trouve que ça c'est un bon podcast à date. À date, c'est le plus réel et le plus senti. Hey, puis c'est le seul podcast que vous avez eu quatre personnes. Quatre personnes. C'est vrai. Puis... Est-ce qu'on me considère comme une personne? C'est ça que je me dis. Ah, tabarnache. Ouais, bon, félicitations. Ça, c'est ton premier bon commentaire. I know. Ça... Mais j'apprends tellement vite à côté de vous. Je le sais. Ça, quand même. C'est bon, ça. Il y a quand même, là... Il a sauté. Il vient de me surprendre. Ouais. Oui. Ben, en fait, il commence à se connaître. C'est ça, je suis une merde. Il commence à se ressentir. Là, je connecte avec moi-même. Je suis une grosse merde qui sert à rien. Ah, exact. Et qui vous fait chier. Moi, j'aime ça pas fait ça tomber du biais. Ouais, tu vois, dès que je le dis, ça gâche le truc. Mais pourquoi que la promo, ça serait pas ça? Je suis une merde. Juste, je suis une grosse merde qui sert à rien. Ça va être ça, la promo. OK. Ça va être ça. Est-ce qu'on peut l'enregistrer? Oui. OK. JP? Merci, JP. Tu peux-tu enregistrer la promo de Radzi qui dit la vérité? Okay. Merci, t'es gentil. Je peux y aller? Vas-y. OK. Je suis une grosse merde qui sert à rien. Ah, ça a moins d'impact. Quand je l'ai sorti. Tantôt, il y a eu lui qui le dit, je l'ai pas notre appréciation. Ouais. Tandis que là, il y a juste lui qui le dit. Là, c'est mécanique. On n'est plus surpris. Ouais. Même lui, il ne croit pas. Ouais, mais si je fais beaucoup de casting en ce moment et je rentre dans le personnage et ça m'enlève un peu de naturel. Ben, au moins, on comprend que tu n'auras pas le rôle et qu'il faut que tu continues à faire des open mic. Alors, merci tout le monde d'être venu. C'est fini là? Hey, c'est fini depuis longtemps. C'est pas vrai. Ben, le piqué est là, c'est fini là. Ah ouais. Hey, ça fait combien de temps qu'on est là, JP? Trop longtemps. 34 minutes. 34? Hey, il nous reste encore un bon 10 minutes. Ah ouais? Cool. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus intéressant à parler pendant 10 minutes? Je te dirais... En arc, je sais pas. Mais non. Mais en même temps, c'était un bon épisode. Oui, je comprends. Pourquoi tirer ça quand c'est bon en 34? C'est un vrai. C'est un fait. 34, le monde va dire que c'est cool. Est-ce qu'on le gâcherait en l'étirant, tu penses? Non.
Mais oui. Oui. OK. Mais non. Parce que ça ne me dérange pas d'intervenir pendant 10 minutes pour le gâcher. Oh. Ah, c'est pas faux. Je pourrais. Je pourrais. Ben... Je pourrais encore plus vous énerver et vous mettre dans le thème du arc en parlant et en faisant genre, en parlant de moi-même, en m'écoutant parler et tout. On essaie quelque chose. Vas-y. J'ai une idée. Je suis. Ouais. Radis, tu dis rien. OK. Michel puis moi, on parle. OK. Comme on parle d'habitude. Oui. On check ce que ça donne. Ça me va. Puis Michel, comment tu vas? Ça va bien, toi? T'as-tu un bon été? Beaucoup chargé, je trouve. Plus chargé que je pensais. Trouves-tu que tu passes trop de temps à travailler par rapport à ce que tu peux faire des loisirs? Oui. Ouais, hein? Oui, vraiment. Parce que j'aime tellement suivre les gens avec qui je travaille que ça fait que... ça, je peux pas manquer ça. Ça, je peux pas manquer ça. Ça fait en sorte que mon horaire par le passé, pendant Juste pour rire ou pendant Comédia, c'est quand il y avait les galas, il y avait tout ça, j'étais occupé à tous les soirs ou presque. Tandis que là, j'étais occupé. Je suis vraiment occupé cet été. C'est cool parce que tu as des beaux artistes, beaux spectacles. Je pense que c'est un beau privilège là, que tu as travaillé fort pour. Et c'est ça qui est bizarre. L'autre jour, on parlait de ça, privilège. Ouais. C'est-tu un privilège où j'ai travaillé pour avoir ça? Parce que normalement, un privilège, c'est quelque chose qu'on te donne. Tu me suis ce que je veux dire? T'sais? Parce que je m'ostinais avec quelqu'un à ce sujet-là sur un privilège. On dit souvent le privilège. Mais c'est pas un privilège. Je travaille à côté. J'en ai pas de jour de vacances. T'sais? Fait que je le travaille. Fait que c'est pas un privilège. Attends une minute. Est-ce que je suis chanceux de réussir dans le métier que je fais? La réponse est oui. Est-ce que c'est un privilège? J'ai travaillé fort pour faire ça. Je comprends. Oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que. C'est parce que souvent, quand pour revenir aux humains, là, c'est que des fois, les mots, on les mélange. T'sais. Fait que moi, je considère pas. Tu sais, comme toi, Pascal, là, tu t'en as fait combien de shows dans ta vie? Quelques-uns. Quelques-uns. Plusieurs. Est-ce que tu considères aujourd'hui que l'aisance que tu as sur scène et de monter sur scène, c'est un privilège de Pascal Cameron ou. C'est un gars qui est assis 7 jours par semaine, qui se promène en voiture, que même quand tu es en vacances, tu te dis, « Hey, OK, ouais, je pourrais dire, je pourrais écrire un bit, là, je pourrais faire ça. » C'est-tu le malade mental que je décris qui travaille fort ou est-ce que c'est un privilège? Toi, du lundi au vendredi, tu fais du wakeboard, puis on te met sur une scène. C'est pas un privilège. Tu as travaillé pour être là. J'ai l'impression que l'humain qui pense que c'est un privilège, la personne aussi qui est tout le temps insatisfaite parce qu'elle pense qu'elle devrait avoir ça. Tu sais, les gens qui vont comme, pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ce gig-là? Pourquoi j'ai pas ça? Ah. Ben parce que t'as pas travaillé pour avoir ça. T'es pas là. Puis si t'étais essentiel dans ce gig-là, tu l'aurais, tu sais. Exact. Il y a, tu sais, cette frustration-là des gens qui sont comme, pourquoi j'ai pas encore fait ci? Pourquoi je suis pas de gala cet été? Pourquoi j'ai... On s'en contrefout. Chacun sa vitesse. Tu sais, il y a des Formule 1, puis il y a des radis. Je comprends. Des radis, on parle-tu d'un John Deere qui reste pogné dans la boîte de temps en temps? Là? Non, qui est pogné sur l'air. Il comprend pas pourquoi ça avance pas. Je comprends. Mais en même temps, ce qu'il fait beaucoup, là, c'est qu'il fait beaucoup de posts sur les médias sociaux. Là. S'il vendait... Ben oui, mais c'est tous des coups d'épée dans l'eau. Hey, mon Dieu. Hey, puis de l'eau, là. De l'eau. Liquide. Yes, c'est de l'air. De l'air. Choup, j'ai coupé de l'air. Ouais, c'est le Star Wars kit. Oh my God. Ça fait tellement du bien de qu'il soit pas là, mais là. Ouais. Tu comprends-tu? C'est un peu. Tu sais, comme quand tu réussis à oublier les défauts de quelqu'un. Ouais. Puis de juste réussir à apprécier la personne qu'elle est, puis de voir juste le beau dedans. Puis en ce moment, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vit. On vit un beau moment. On vit vraiment un beau moment. Moi, je pense que sous cette vidéo-là, les commentaires, ça devrait être tout meilleur épisode de radis ever. Comprends-tu dans le sens qu'il n'a pas beaucoup parlé? Puis y a, ça l'aide. Ça l'aide quand même beaucoup l'épisode là, en ce moment. Là, radis. Comment le décrire? Hey, mais merci, hein, Michel, d'avoir été là. C'est un plaisir. Tu m'as sauvé. Ben au moins, j'ai fait un podcast qui fait du sens aujourd'hui. On a eu beaucoup de sens. On a eu beaucoup de plaisir. Ouais. On a réussi. C'est comme si, en ce moment, on écoutait les nouvelles. Puis quand on se parle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Tout à fait. C'est comme si on était la bonne nouvelle TVA ensemble. Constamment.
puis on enlève tous les accidents d'auto exact. Avec des morts dans les Laurentides. Tout à fait. Ça, c'est tout, tout est là. C'est nous autres, ça. Puis ça, nous autres, on est comme la bonne nouvelle TVA. Il y a eu 3 cannes de bouffe données à Moisson-Montréal. Tout c'est à fait. Autres, c'est ça. Nous autres, ça. C'est trop... Le bon peuple. Le bon peuple. Le monde qui se tient debout. Hein? La plèbe. On a-tu quelque chose à plugger pour toi, non. Michel? J'aimerais ça... peut-être que je pourrais aider un jeune humoriste qui fait pitié, Radis. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait le suivre. Mais aller y écrire des commentaires, tu sais, comme y donner des adresses, tu sais, pour, tu sais, du gouvernement du Canada, pour comment sortir. Ou, c'est ce qu'il faut faire encore mieux. Hey, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la maison qui est bon pour hacker des comptes. Hacker le compte de Radis. Oh! Et faites... Écrivez des commentaires super haineux sur le Canada. Puis, tu sais, des affaires de même qui n'ont pas d'études dans ça pour que, genre, parce que là, il est en train de faire ses papiers d'immigration. Ça serait que drôle. Quand Immigration Canada tombe sur son truc, il y a eu beaucoup de messages haineux. Puis, genre, tout le monde, là, les Québécois de souche qui insultent les Français, qui insultent tout le monde, les Premières Nations, qui parlent de Penelope McQuaid dans mal, genre. Oui, j'aime t'sais, ça. Des affaires de même. Puis après ça, hey, s'il vous plaît, si vous êtes bon à la maison, là, puis envoyez-nous, envoyez-nous des envoyez-moi en privé, là, puis à Michel aussi, des preuves que vous avez pris le contrôle de son Instagram. C'est vrai, ça? Ça serait hot, hein? Un petit peu chiant pour un monsieur qui remplit ses papiers présentement, mais ça serait drôle, mais je sais pas, tu sais... Je pense pas que personne va faire ça. Là. C'est parce que je veux pas. Ah non, tu connais pas le monde, là. Oh, oui. T'es connais pas ça. Ceux-là. Non, les gens feraient ça. Moi, sérieusement, je vais te dire de quoi. Faites pas ça. Je veux que le gouvernement réalise par eux-mêmes qu'ils méritent pas de vivre ici. Mais si tu travailles pour le gouvernement, là, tu peux hacker son compte. Là. Puis là, on va tu penses qu'il y a des gens au gouvernement qui écoutent présentement ce podcast? Mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de premiers ministres. Ah oui, des premiers ministres, il y en a. Du monde toi, t'as beaucoup de premiers ministres. Je pensais qu'il y en avait juste un. Premier ministre du Québec, premier ministre du Canada, de l'Ontario, de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Colombie. Ils t'écoutent au bout. Tout le monde m'écoute. C'est vrai qu'Arc, c'est international, c'est ce mot-là. It's the only podcast in the world. Ah, ben c'est pour ça qu'ils l'écoutent. C'est ça, j'ai le premier ministre, la première ministre de l'Angleterre. C'est-tu un premier ministre, là, une première ministre? Une première ministre. C'est une. Oui. Celle-là, et président aussi de la France, m'écoute, Biden. Hey, je veux juste dire mon ami Joe Biden, salut. C'est vrai que t'es ami avec? Oh, déjà. C'est vrai? Quand il est tombé à vélo? J'ai kické, c'est moi qui ai kické sa roue. Ça se trouvait drôle. Ah, ouais? Ça, je me suis... Puis on a ri bien gros après, là, quand on parlait des travailleurs. C'est sûr qu'il a caché de la coke pas loin de la maison. C'est pas que je l'ai pas caché, j'ai échappé. OK, c'est bon. Allez, mais... Merci, Michel, d'avoir été là. PascalCameron.com, je rate un nouveau spectacle à partir de novembre puis jusqu'en novembre. Je finis ma tournée décevant puis j'ai déjà l'écriture d'un nouveau spectacle qui va sortir en octobre 2024. Merci, JP, d'avoir été là. Merci, Michel, d'avoir été là. Merci, Michel. On suit tes médias sociaux. Radis. Radis, il fait des spectacles à l'automne. Ouais. MonsieurRadis.com. MonsieurRadis.com. Au terminal. Mettons, je ne veux pas le voir. C'est quel site tu me conseilles d'aller voir pour être sûr de ne pas le voir? MonsieurRadis.com. MonsieurRadis.com, j'arrive là-dessus, puis là, je vois où est-ce qu'il est. Ouais. Donc, je peux aller à exactement. Et si quelqu'un nous écoute à la maison qui sont capables de faire du repérage web, là, que quand on tape Monsieur Radis sur Google, ça nous amène sur un site qui n'est pas bon, qui n'est pas ça. Ah, ça serait vraiment gentil. Ça serait vraiment fin. Ah, ouais. Puis, de toute façon, ces spectacles à l'automne risquent d'être annulés parce que he's gonna be back. Oui, j'espère. Il va dans un petit avion avec sa petite valise. Il va pouvoir parler à ses enfants. Alors, papa est parti, il aimerait ça avoir un toit. Et jusqu'au dernier moment, je pensais que vous alliez changer d'avis et être cool avec moi. Hein? JP, cut.